Justine, vous avez 22 ans, vous êtes agent immobilier. C'est ça. Ça réagit comment dans votre métier, justement, par rapport à tout ce que vous faites? Ça va, j'ai pas de répercussions pour le moment. Personne vous a rien dit? Non. Les amis vous reconnaissent? Ils vous disent c'est bien toi? Dans ces tweets, dans ces messages, ils reconnaissent ce côté piquant? Non. Ils vous reconnaissent pas? Non. Ça veut dire quoi, que vous êtes créé une personnalité pour Twitter, pour Internet et pour les médias? Non. Pourquoi vos amis vous reconnaissent pas alors? Non, non, ils reconnaissent le côté un peu méchante, mais c'est pas... C'est un côté que vous revendiquez, le côté méchante? Non. Bah vous dites, ils reconnaissent mon côté méchante, ça veut dire quoi? Qu'ils reconnaissent en vous ce que vous êtes? Oui, ils reconnaissent que je suis un peu comme ça. Après, c'est vrai que mon côté est un peu surdéveloppé par rapport aux autres, c'est tout. C'est quoi? C'est votre ego qui est surdéveloppé? Ma méchanceté. Ah d'accord, très bien. Nos journalistes sont là pour répondre. On commence avec Marie. Incroyable. Sincèrement, vous me scotchez. Mais déjà, première question. Est-ce que vous avez conscience que vous faites du mal avec vos tweets? Et qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites du mal à quelqu'un? Faut que je pleure, là? Qu'est-ce qui... Non, c'est une question. Ah, d'accord. Dans le poids des mots, on fait des phrases. Ah ouais? Non, 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 mais... sans avoir fait Sciences Po, on est capable de parler, tout simplement. Que, non, moi, je sais pas parler, je sais pas construire des phrases, donc voilà, je suis un peu blonde, donc... Non, mais plus sérieusement, Justine, plus sérieusement, est-ce que des fois, ça vous touche? Vous dites, je fais de la peine aux gens, c'est dommage? Non, ça me touche pas. Ça m'amuse. De faire de la peine aux gens? Non, ça m'amuse de tweeter, et voilà, oui, c'est mais comme ça. La question, c'est... Non, non, ça me fait rien. D'accord. Catherine. En fait, vos proches, votre famille, vos parents, vos amis proches de ce comportement, de votre comportement, bah, ils pensent. Voilà, c'est tout. Après, moi, je suis comme ça, donc ils me connaissent comme ça. Ça les dérange pas. Hein. De toute façon, tout le monde ne regarde pas Morandini, tout le monde ne regarde pas L'amour est dans le pré. Je veux dire, il y a un monde, c'est un monde à part. Hein. Dans la rue, il n'y a pas des gens qui parfois vous agressent et vous disent tais-toi, tout ça, non? Pas du tout. Non, non. Non, continue, mais pas tais-toi. Continue, d'accord. Alexandre Barras, de Gala. Ouais, non, je pense que la stratégie de faire le buzz, dans un sens, elle fonctionne. Quand je regardais là aujourd'hui sur les sites internet, on résume le prime d'hier soir et on ne parle pas des candidats qui étaient présents, mais des tweets qu'a posté Justine. Alors ça dénote beaucoup d'ambition. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, à Gala, mon rédacteur en chef a reçu une mise en demeure qui indiquait qu'il fallait, au mois de juillet-août, hein, comme plusieurs rédactions, je pense Closer et d'autres, qu'il ne fallait pas évoquer votre nom ou parler de vous dans nos magazines. Alors, derrière cette ambition, vous comment vous voyez l'avenir? C'est-à-dire que si... C'est-à-dire que vous... Attendez, pour être clair, parce que moi, je ne savais pas ça. C'est-à-dire que vous avez reçu une lettre à Gala... C'est-à-dire que mon rédacteur en chef, Mathias Görtler, reçoit une lettre, une mise en demeure... Qui vous interdit de citer son nom. De citer son nom. Alors ça, généralement, c'est réservé pour des stars américaines, des stars françaises. Ça veut dire que vous avez vraiment beaucoup d'ambition. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est quoi cette demande? C'est bizarre, en fait. C'est quoi cette demande? C'est le début de la gloire. C'est-à-dire que mon rédacteur en chef ne vous connaissait pas et déjà, vous ne pouvez pas parler de vous. Donc c'est ça qui était assez improbable. Ouais. Non, non, mais c'est le début de la gloire, c'est tout. Hein. Je suis invitée sur le plateau, c'est que déjà, j'ai une certaine notoriété. Et vous voulez en faire quoi de cette notoriété? Rien. Rien de spécial. Et le problème, c'est quand on vous écoute, moi je vous écoute gentiment parce que voilà, vous me faites plutôt rire, c'est plutôt drôle, mais juste on ne comprend pas ce à quoi vous voulez arriver. Parce que quand on vous pose des questions... Moi je me comprends, c'est déjà... Quand on vous pose des questions un peu construites, en fait, on a du mal à avoir une réponse. Non, mais en fait, moi, voilà, j'ai un métier, ça m'amuse de tweeter, point. C'est votre quart d'heure de célébrité, quoi, en clair. Oui, bah, je ne l'ai pas voulu, c'est les gens qui ont voulu parler de moi. Après, moi, ça m'amuse de tweeter, c'est tout. Catherine. Moi, j'ai un métier, j'ai pas que ça à faire. Ouais, moi, je vais revenir en fait à nouveau sur Twitter. Vous avez comparé Thierry à Émile Louis. Ouais. Est-ce que vous regrettez là? Non, mais c'est quand même terrible de dire un truc comme ça, d'écrire un truc comme ça, Justine. Émile Louis, c'est un assassin quand même. Ça me touche tellement. Non, non. Non? Non. Non, non, il lui ressemble physiquement. Après, voilà. Je dis juste ce que je pense. Ce que les gens pensent devant leur poste en regardant la mauvaise dans le prêt. Je ne suis pas sûr qu'ils pensent ça, mais il y en a qui pensent, enfin moi en tout cas, Louis. En interview, vous avez déclaré « Je ne veux pas être jugé sur mon physique, c'est la prod qui m'a collé cette étiquette. » Et pourtant, vous avez posé nu quelques jours plus tard dans l'entrevue. Alors on se demande... Ah, pas vu beaucoup de filles en maillot de bain. On se demande à quoi, enfin complètement, quasiment nu. On se demande à quoi est-ce que vous jouez? Est-ce que vous jouez un double jeu? Non, je suis en maillot de bain, il n'y a rien de vulgaire. Enfin, vous exposez votre physique, ça reste la même chose, Justine. Sur le physique, quand je tweete, je ne tweete pas avec mon physique, là. Pour le moment, c'est plus mon esprit. Et poser l'entrevue, c'était pourquoi? Pour l'argent? Mais c'est vrai que, voilà, à 500 000 euros, ça ne se refuse pas. Non, 500 000 euros, non, je pense que vous avez dû loucher un peu sur les zéros, 5 000 peut-être, mais... Donc vous êtes prêt à braver vos principes pour l'argent? Je réponds pas aux stagiaires.
Je suis pas stagiaire. Ah, pardon, excuse-moi. Ah, mais c'est vrai que ça, je dois avouer que ça, c'est drôle. Hein. Non, c'est plutôt drôle. On a dit dans la bande-annonce qu'il y avait des journalistes. Laurie, juste avant, qu'est-ce que vous pensez de avec Justine leur qualité de réponse. Elle vous amuse? Oui, moi, je trouve ta façon de répondre assez surprenante, en fait. C'est ça. Voilà, et ça fait partie des personnages qu'on voit de plus en plus émerger du côté de la télé-réalité. C'est des gens qui sont hyper vite médiatisés, qui après retombent souvent dans l'ombre. Vous avez peur de retomber dans l'ombre derrière? Vous allez continuer à aller... Non, bah c'est moi qui vais même retourner dans l'ombre. Hein. C'est pas vous qui va me faire retourner dans l'ombre. Moi, je fais rien, vous savez. Dans un an, je compte faire le tour du monde. Donc en fait, c'est moi, par ma décision, qui vais retomber dans l'ombre. Hein. Julia, pas... d'Europe 1. Oui, Vous êtes, elle reste sans voix. Oui, je vous envoie. Vous êtes particulière, mais pourquoi pas. Moi, j'aime bien la provocation, mais plutôt d'un Gainsbourg, vous voyez. Ça part d'une création artistique. Je me demandais, en fait, L'Amour est dans le Pré, c'est une émission télé-réalité un peu particulière. Ça veut dire qu'il y a des valeurs, il y a des gens qui sont en souffrance et qui cherchent l'amour. Est-ce que vous n'avez juste pas trompé d'émission? C'est pas plus de la télé d'enfermement ou un Secret Story qui vous correspondait mieux, en fait? Non, bah, j'étais en souffrance. J'avais besoin de faire l'amour. Mais non, mais c'est vrai que l'agriculteur que vous êtes allé voir, lui, cherchait l'amour réellement. Vous êtes un peu foutu de sa gueule? Parce que vous dites que j'étais sérieux 5 minutes, je crois que j'ai vu une interview où vous disiez ça. Ouais, bah j'étais sincère autant que je suis avec toi, en fait. Ouais, voilà. C'est-à-dire pas du tout. Donc voilà, c'est ça. Donc c'était juste pour faire de la télé et pour vous amuser avec tout ça? C'était pour m'amuser. Une bonne expérience. Mmh. J'avais pas assez d'argent pour aller à Los Angeles. Marie? Incroyable. Alors vous qui êtes accro aux tweets, généralement vous faites ça un peu caché dans votre chambre ou ailleurs. Vous avez fait ça sur plein de plateaux télé. Dès que vous partez d'un plateau, vous critiquez tout le monde. Là, je vais voir si vous êtes courageuse parce que vous arrivez à vous foutre à poil sur Entrevue. Vous avez l'air d'être grande gueule. Vous vous moquez de Morandine tout à l'heure avec votre grande gueule. Alors allez-y, faites marcher vos trois neurones. Marie, respirez, Marie, respirez. Faites marcher ces trois neurones et votre langue de vipère. Et on attend, on est six. On va voir là en direct. On en direct, on ne peut pas couper. Alors maintenant, on va voir si c'est pas Elfaci derrière qui décrit tout parce qu'il y a un côté un peu chien de garde. On va voir si vous avez vraiment. Elle dort dans l'oreillette que les journalistes. Non, c'est facile, Justine. Vous défilez pas, Justine. Là, super, on va la laisser pas aller. Allez, vas-y, c'est votre moment. Non, mais parce que là, depuis tout à l'heure, je peux pas en placer une. C'est un peu dur. On est six, on attend Marie, respirez, Marie. Jean-Claude, respire. Qu'est-ce que je dis, du coup, là? Parce que c'est vrai que... Non, mais Justine, c'est vrai qu'il vous a accompagné aujourd'hui. Ah oui, non, il me dit que vous êtes vraiment... des journalistes. On m'a dit. Allez, on va rester là, Justine. Merci. Merci. J'ai l'oreillette. Merci, Justine, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci, Marie. Merci, Justine. En attendant, on va continuer. Marie, merci. On va continuer cette. J'aime bien parler à des vrais journalistes. Très bien. Merci, Justine. On va continuer cette émission donc en parlant de l'argent de la télé-réalité. Merci, Justine, d'être venue sur ce plateau. Combien gagnent vraiment les candidats de télé-réalité?